Yokotala, CGTV, ma mama, CGTV, na ba papa, Michel Mayabu. Arlette Sita, Lix Kadima. Ma émission est kitoko culturelle, politique, religieuse. Chers amis internautes, salut, me revoici encore pour un autre numéro de Cogito. Cette semaine, je pense que la majorité présidentielle a tort de croire que M. Joseph Kabila est l'homme providentiel. Vous savez, depuis la nuit de temps, lorsqu'il y a une situation compliquée, où il y a une, quand on est en temps de crise ou en de moments difficiles, les hommes ont toujours eu besoin d'une figure forte pour le sauver ou le guider. Et cette figure forte se démarque naturellement par son courage, par son charisme, par son honnêteté et plein d'autres vertus. C'est pour cette raison que la nation tout entière se reconnaît dans la figure forte. On remet entre ses mains tout le pouvoir. Je ne pense pas que la majorité puisse être en mesure de nous dire si vraiment le Congolais se reconnaît aujourd'hui en monsieur Kabila, ou la majorité peuvent, nos compatriotes de la majorité peuvent nous dire si réellement que le pouvoir que monsieur Kabila détient aujourd'hui émane de la volonté populaire. Il ne dirige que par défi, par force et par tricherie. Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Un homme providentiel, c'est quelqu'un qui, à mon avis, c'est quelqu'un qui marque l'histoire. Il impacte dans la vie des gens, ses actions impactent dans la vie des gens. Vous savez, à part quelques personnes qui sont en déphasage avec la réalité et qui chantent Sissa Bidibo, mais moi, les seuls actes que moi j'ai vus, on nous a parlé par exemple de 5 chantiers. Mais qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? En lieu et place de 5 chantiers, on a le 5 fléaux qui sont quoi? L'incompétence, la médiocrité, l'insécurité, la corruption, le clientélisme. Donc c'est sur ce point-là que peut-être que quand on l'appelle Sissa Bidibo, ce sont les marques qu'il aura laissées. Un homme providentiel, c'est un homme charismatique. C'est quelqu'un, lorsqu'il parle, les gens l'écoutent. Il arrange les foules, il soulève le foule, il attire les gens vers lui parce qu'il a une éloquence. Moi, quand je parle de l'éloquence, ça veut dire qu'il sait parler aux gens, il sait toucher les gens par son empathie. Bon, on nous présente quelqu'un de taiseux, et quelqu'un qui est taiseux, je ne comprends pas un taiseux, comment est-ce qu'il peut, communiquer avec les gens et il peut être en communion avec les gens. Je passe. Un homme providentiel, c'est quelqu'un, comme j'avais dit, c'est quelqu'un qui il a pour mission de sauver. Ça veut dire quoi? Il doit protéger le pays, il doit protéger la population contre les menaces étrangères. Voyez-vous même ce qui se passe aujourd'hui à l'est de notre pays. Vous voyez comment l'Est est devenu une sorte de terrain de jeu pour les armées étrangères. Donc chaque armée étrangère vient et on se sert de l'Est comme un terrain de jeu. Entre-temps, la population est abandonnée à elle-même, elle ne sait pas à quel sein se vouer. Un homme providentiel, s'il serait parti à l'Est pour rétablir la paix, il serait là pour défendre la population. En lieu et place, qu'est-ce qu'on a? On va au Kassai central s'attaquer aux pauvres Kamuinasa, pour des gens qui ne sont armés que de balais, où on s'attaque
aux chrétiens catholiques qui ne font que de revendiquer leurs droits. Un homme providentiel, c'est quelqu'un qui est là pour résoudre les problèmes de société. Alors moi, je ne comprends pas aujourd'hui, par exemple, qu'après plusieurs années de pouvoir, après qu'on ait parlé de tolérance zéro, par exemple, que bon, on ne voit aucune réforme se faire. La justice est à deux vitesses. Il y a tant de problèmes sociaux. Je peux pas comprendre que en lieu et place d'avoir des chégués, moi j'aurais voulu que ces chégués là soient réinsérés dans la société en leur apprenant un métier, en leur apprenant quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on a en lieu et place aujourd'hui? Au lieu de chégués, on a les koulounas. Donc ça veut dire qu'on est allé des mal en pis. Je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui encore à l'intérieur du pays, par exemple dans un village comme Lingumba, il n'y a pas d'électricité, qu'on ait un Gadanjika qui n'ait pas de l'eau potable. Et on dit que c'est un homme providentiel. Je pense que il est grand temps que les gens comprennent. Un homme providentiel, c'est quelqu'un, j'avais dit, c'est quelqu'un qui est honnête. Lorsqu'il dit quelque chose, il le met en pratique. L'honnêteté, c'est quoi? C'est savoir aussi respecter les règles de jeu. Donc ça veut dire, on ne va pas créer de situation. On respecte la loi, on respecte ses semblables. Lorsqu'on donne on donne une parole, on respecte une parole. On ne vient pas avec des paroles creuses, on ne vient pas avec des promesses fallacieuses et puis se dire qu'on est l'homme providentiel. L'homme providentiel, c'est quelqu'un qui est là, comme je dis, c'est pour sauver, il est là pour protéger, il est là pour résoudre le problème. Lorsque vous faites le diagnostic de ce qui se passe aujourd'hui au Congo, vous et moi, nous savons que M. Kabila, ce n'est pas l'homme providentiel. Il n'est pas l'homme providentiel. Le problème avec notre pays, c'est quoi? C'est parce qu'on n'a pas des institutions fortes. En lieu et place des institutions fortes, on a des hommes forts. Et tant qu'on aura des hommes forts, notre pays n'avancera pas. Nos frères de la majorité, il faut qu'ils aient un sursaut de patriotisme. Lorsque je vois monsieur Kombochab écrire un livre où il dit que la condition sine qua non, c'est la révision constitutionnelle, ou dans le cas contraire, le Congo ira vers la perte. Parce que lorsqu'il parle de l'inanition, ça veut dire quoi? C'est la mort, c'est la perte. Je ne pense pas. Lorsque monsieur Kombochab se regarde dans un miroir, il sait qu'il vaut plus que monsieur Kabila, il sait qu'il a des capacités. Donc moi je pense que c'était ma pensée de la semaine. Je crois que M. Kabila, il a fait son temps. La nation lui sera reconnaissante ou je ne sais pas comment, mais il est quand même temps qu'on puisse aller de l'avant. Il ne faut pas qu'il crée une situation, qu'il crée une crise et qu'il pense qu'il est là, qu'il sera la personne qui va sauver la situation. Parce que c'est ça. Quand on est un homme providentiel, on ne crée pas de crise. Il y a une crise et quand il y a une crise, on fait appel à vous pour venir sauver la nation. Donc merci, chers internautes. C'était ma pensée de la semaine et on se verra la semaine prochaine. Merci. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie.